Faites vos prières. C'est de la folie, mon garçon. Prenez, prenez, Booker. Oh, oh. Merci beaucoup. Arrachez-vous les yeux. Allez, dénichez. Prenez. C'est ça, vous voyez. Mais vous allez mourir. Le voilà. Forcez-le à se montrer. Booker, là, rien qu'à donner votre travail à quelqu'un d'autre. De l'argent. On a des munitions, l'arme de belle facture. Chouette. Et toutes sortes de choses mortelles. Tu saurais ouvrir ça? Je n'ai jamais rien vu de tel. Mécanisme anti-pression, bras à ressort, verrou de secours. On ne l'ouvrira pas sans un bélier. Vous entendez quelque chose? Hein? Pas de machine. Pas d'outils. Allons voir cet armurier. Il est peut-être en haut.
Regardez. L'hôtel. C'est une statue de Comstock. Monsieur Lin? Chen Lin? Pardon, Chen Lin? Qui êtes-vous? Parlez! Plus fort! Machine faire beaucoup de bruit, moi pas entendre! Je suis Booker DeWitt. Reculez! Machine très dangereuse! Attendez en bas avec Madame Lin! Daisy Fitzroy nous envoie. On est venu chercher les armes que vous lui avez promises. Machine dangereuse! Idiot, rien à faire ici! Vous pas tenir à votre tête? Monsieur Lin, c'est... Mais qu'est-ce qui lui prend? On se souvient de l'avoir vu mort. Qui sait? Peut-être qu'il s'en souvient aussi. Vous vous mettez à sa place. Soignez mon mari. Pas vraiment. Calmez son esprit. Excusez-moi, je cherche une Madame Lin. Je suis Madame Lin. Non, je cherche une petite femme asiatique. Elle était... Booker, c'est elle, Ils ont Madame pris Lin. Ses outils. Qu'est-ce qu'il va devenir? Oui, votre mari a l'air un peu perdu. S'il pouvait travailler, peut-être... En travaillant, il... Madame Lin, pouvez-vous me dire qui a pris ces outils? La police. Elle les a confisqués. Ils sont à la fourrière de Shantytown. C'est bien vrai? Ces outils pourraient lui rendre l'esprit? Qu'importe. On n'aura jamais nos armes si Chen Lin n'a pas ses outils. Allons à Shantytown. Vous avez vu? Chen Lin saignait du nez. C'est la mode ces temps-ci. Cette faille. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Pas grave. C'est autant un mystère pour moi que ça peut l'être pour vous. Songbird sait peut-être, mais il est muet. Désolé. De quoi? Je peux porter un dé élégant pour cacher mon atroce difformité. Il paraît que c'est à la mode à Paris. Vas-y. Compris. Celle-là, maintenant! Compris!
dangereuses, mesures dangereuses. Protégez vos femmes et votre bateau. Il y a un crochet par là. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez ? Vous devez me prendre pour un monstre. Une fille qui peut ramener les morts à la vie, qui a pour seul ami un drôle d'oiseau géant. Vous devez me trouver ridicule. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Je refuse de retourner dans cette tour, quoi qu'il puisse arriver. Ils feront tout pour te retrouver. Pourquoi ? Qu'est-ce que je leur ai fait ? Tu leur fais peur. Bien. C'est bien ça qu'ils veulent, mes frères. Vous affamer jusqu'à vous faire supplier. Vous laisser dans l'ignorance pour vous empêcher de trouver des solutions à vos problèmes. Vous faire courir derrière leur sacro-saint argent pour vous asservir en vous faisant acheter tout ce qu'ils veulent, mes frères. Ces gens sont comme ça à cause de Fink. Daisy a peut-être raison. On devrait peut-être lui faire payer tout ça. Pas avant qu'elle nous paie. On prend les armes, puis le dirigeable. Nous pourrions aller au commissariat ou visiter ce bar. Recule-toi. À votre avis ? Oh, pitié. Oh, pitié. Saleté de vin. Je vais t'achever moi-même. Pile ce qu'il me fallait. Elisabeth! Et voilà! Rangez! Laissez passer! Vive ou qu'on meure, c'est pareil pour eux. Je ne comprends pas. Pourquoi on traite certains comme des hommes et d'autres comme des animaux? Ça arrive aussi en bas, c'est pas l'apanage de Columbia. Comme à Wounded Knee. Ouais, comme à Wounded Knee.
Walker, voilà la fourrière. On va devoir affronter une armée pour trouver ces outils. Et on a confisqué ces outils. Ne vous méprenez pas, soldats. La Vox Populi et les armes sont comme les intrus. Des munitions, prenez-les.
Moi, ça ira. Tu pourrais faire ton truc, là, pour ouvrir. Sérieusement? Ce tout petit verrou? C'est prêt. Ouvre-la. Compris. Ne s'échappe pas. Faites-le sortir. Continuez à tirer. Contournez-le.
sang. Je vais trouver quelque chose. De Columbia. J'ai trouvé des munitions. Car mon œil est de lui. Les entraîneurs, venez, Booker. Chouette. Je n'ai rien d'autre pour le moment. Je crois que c'est dans tes cordes. Ah, un jeu d'enfant. Super. Bien. Bizarre. Et à le boulot, et à la vie. Ils me paient pour que je déteste la Vox Populi, et je prends leur argent. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un verre avec les hommes de Fitzroy ? Je crois que j'ai dû boire un peu trop parce que j'ai perdu la clé du casier d'épreuve. C'est le serveur qui l'a. Si jamais ça se sait. Hmm.
Les outils, les voilà. Rapportons-les à la Vox Populi, et on aura notre dirigeable. Est-ce que tu pourrais faire ton truc, là, pour ouvrir ? Pas de soucis. C'est prêt. Qui aide-t-on vraiment en fournissant des armes à la Vox Populi ? Ça nous aide, nous. Daisy peut changer les choses, non ? Améliorer la vie de ces pauvres gens ? Oui. Je sais pas comment on va faire pour transporter tout ça jusqu'à la boutique. On aurait dû réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une faille vers une autre version de cette pièce. Une version sans aucun outil. Alors si les outils n'y sont pas ? C'est qu'ils doivent être à la boutique. Booker, si nous entrons dans cette faille, je ne crois pas que nous pourrons en revenir. Êtes-vous sûr de vouloir traverser ? Retournons voir l'armurier et finir notre marché. J'espère bien pouvoir filer d'ici en dirigeable et au plus vite. Booker, si la Vox Populi obtient ses armes, ce sera une véritable révolution populaire. Ces gens auront une vie meilleure. Ouais. Vous avez déjà observé une forêt juste avant le départ d'un feu. Avant que la première flamme ne se montre, on peut voir les cerfs et les écureuils courir entre les arbres. Ils savent ce qui approche. Mais les ours gras, au ventre rempli de miel, vous aurez bien du mal à les réveiller du confort de leur hibernation. Nous allons à Emporia, et nous verrons bien jusqu'où il faudra aller pour les secouer de leur torpeur. Vous sentez ça ?
Daisy a touché ces gens. Les choses peuvent changer et nous pouvons les aider. Mais je ne veux pas les aider, moi. Dès qu'on a notre dirigeable, on fiche le camp d'ici. Génial! Regardez cette affiche. Dans ce monde, vous êtes un héros. Je me souviens, j'ai mené la Vox, Slate et moi, on a brûlé l'antre des héros. Je sais plus, j'ai deux souvenirs en même temps. Revenez, nous allons trouver Daisy Fitzroy. Et on partira d'ici sur la Première Dame. Allons-y.
ce monde. Vous êtes un martyr. Ces gens ont besoin de meilleurs héros. Quand il réfléchit, la seule vraie différence entre Comstock et Fitzroy, ce sont leurs noms. Delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Super! C'est moi qui te charge! Dernière déclaration. Je ne sais pas si je nous ai emmenés dans un monde. Thank you.
pas ce que je voulais voir arriver. Elisabeth. Ils sont morts, Booker. Allez, partons d'ici. On va récupérer notre dirigeable à l'usine. Ce n'est pas de notre ressort, rien de tout ça. Tu as ouvert une porte sur ce monde, et on est entré. Vous êtes sûr, Booker? Est-ce que je nous ai emmenés dans un monde où Chen-Lin était en vie? Ou est-ce que je l'ai créé? Je vous l'ai dit, j'ai toujours cru que mon pouvoir me servait à donner corps à mes rêves. C'est ce que j'ai fait. Camarades, je viens vous parler à cœur ouvert. Vous voyez le visage d'une personne, un être humain. Mais Fink, savez-vous ce qu'il voit? Il voit du bétail. Il voit le bœuf qui tire sa charrue. Le singe qui pousse son charbon. Et quand votre corps commencera à vous trahir, il vous mènera à l'abattoir et fera de vous de la chair à vous. Vous voulez être un homme. Je ne vous retiens pas. Besoin de ça? Ça pouvait pas mieux tomber. Je prends en sorte de vous approvisionner. S'ils veulent ouvrir les portes, quelqu'un doit descendre ce dirigeable. Quelqu'un, ça veut dire nous? Nous agitons les foules. Tous ceux qui...
dois saboter le moteur et détruire ce truc. Allez, Elisabeth, on va retrouver Daisy dans l'usine.